fêtes de fin d'année viennent de se terminer et j'espère qu'elles vous ont permis de passer d'agréables moments entourés de vos proches afin d'oublier, ne serait-ce qu'un temps, la triste année qui vient de s'écouler. Cercy-la-Tour, village du futur, en 2020, se tourne vers la petite ville de demain, en 2021. Mais revenons sur l'année 2020 qui vient de se terminer. 2020 a été pour nous tous un moment que nous ne pourrons oublier, car l'année qui vient de s'écouler a été marquée par l'apparition de cette pandémie. Dès le 17 mars, une période de confinement est décrétée pour 2 mois afin de limiter la propagation d'un virus que l'on nomme déjà la Covid-19. J'ai souhaité, dès le début, que soient contactés individuellement tous les administrés de plus de 70 ans pour leur apporter notre soutien, notre réconfort et notre aide. Très rapidement, l'équipe municipale mobilisée et les membres de la Croix-Rouge ont permis à 42 familles d'être aidées. Je les en remercie chaleureusement. En parallèle, des bénévoles cerciquois ont confectionné des masques à destination de la population. Ces masques ont été distribués dès le mois de juin. Je remercie tous ces bénévoles pour le travail fourni. La crise sanitaire ne nous aura pas laissé le choix. J'ai donc dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux. Cette rencontre était pour moi un moment de partage où je vous présentais le bilan de l'année écoulée et les projets pour l'année à venir. Ce bilan ne sera pas comme chaque année présenté au Centre culturel lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, et je le regrette. Comme vous le savez, et malgré le vaccin qui a commencé depuis quelques jours, nous devons respecter des règles qui, aujourd'hui, nous confinent chaque soir à partir de 18h. Mais jusqu'à quand? J'ai souhaité vous présenter mes vœux à tous, cercicois et cercicoises, et à tous nos amis qui nous suivent de près ou de loin sur les réseaux sociaux. J'espère, bien évidemment, pouvoir vous retrouver de nouveau, comme je le fais depuis 6 années, en janvier 2022. Malgré ce contexte particulier, la nouvelle équipe municipale s'est mise en ordre de marche, a repris les dossiers existants et était force de proposition dès les premières semaines. Cette élection a été quelque peu reléguée au second plan. Cependant, et dans la continuité de service, nos employés ont continué à assurer leur travail, même s'il a fallu jongler avec les plannings. La vie communale a toujours continué à fonctionner, peut-être moins rapidement que nous l'aurions souhaité, et des travaux sont quand même sortis de terre, voire aboutis. Nous avons réussi à ouvrir notre piscine avec des règles sanitaires strictes, ce qui a permis aux usagers de bénéficier d'un endroit de repos. Moins d'entrées que les années précédentes, mais une amplitude d'ouverture beaucoup plus importante et des usagers satisfaits. L'essai a été une réussite et je pense que pour l'année 2020, nous repartirons sur les mêmes bases. Je tiens à vous signaler cependant que ce changement d'horaire a permis une diminution de 30% des charges des maîtres nageurs. A contrario, notre camping n'a pu ouvrir en 2020 et je le regrette vivement. Beaucoup de camping-caristes se sont cependant venus. Nous avons réussi à les accueillir. Ils ont pu stationner quelques jours pour bénéficier de leur territoire. Pour 2021, le camping devrait ouvrir dès le 15 avril pour une durée de 7 mois. J'espère que nous aurons un gérant pour notre camping et notre guinguette dès le début de la saison. Nous sommes actuellement dans une démarche pour recruter. Nous pourrons tous profiter prochainement de ce coin propice à la détente et aux loisirs avec, je l'espère, cette année, la mise en place de jeux pour nos enfants. Malgré les difficultés, nous avons travaillé quotidiennement pour suivre les affaires en cours et faire avancer nos projets. Et certains sont enfin sortis de terre, voire quasiment terminés. Avec entre autres, l'aménagement de l'espace fluvestre vers le canal. Et les travaux tant attendus de l'aménagement du camping et du quai Lacharme. Thank you.
ainsi que l'installation de deux chaufferies à granulés pour les deux écoles maternelles et primaires. La rénovation énergétique des écoles devrait se terminer dès cette année avec la réfection totale de l'isolement par l'extérieur. En ce qui concerne la voirie, cette année, nous avons investi 110 000 euros avec le lotissement de la Garenne, la place des Marronniers, le lotissement des Petites Brunettes et la rue du Domaine Vallée. Mais si cette route ne rentre pas dans la compétence communale, nous avons eu la chance que la départementale des Grandes Brunettes soit également refaite. Nous en avons profité pour refaire les cours des anciennes écoles et en particulier celle de Champlevoix ainsi que la cour des associations. Au niveau festivités, l'année qui vient de s'écouler s'est réduite au strict minimum pour toutes les associations. Un 1er mai, un 14 juillet et un 11 novembre en comité réduit. La quasi-totalité des festivités organisées par nos associations annulées. Seules quelques associations ont réussi pendant les semaines de la saison estivale de mettre en place des moments conviviaux. D'autres associations ont essayé jusqu'au bout, mais les contraintes sanitaires trop strictes ne leur ont pas permis d'aller à terme. En tout état de cause, j'espère que l'année 2021 sera riche en activités culturelles, festives, sportives. Je remercie par avance toutes les associations qui souhaiteront organiser des manifestations cette année. Nous essayerons de les aider au mieux dans leur organisation. Pour 2021, nous continuerons bien évidemment les travaux entrepris. J'espère voir enfin aboutir la salle d'exposition rue Cascou. Nous avons les financements, mais malheureusement pas les entreprises. Le parcours pêche sur le terrain, le chemin de contre-halage entre l'écluse et le pont de Chevigny pour un montant de 100 000 euros environ, entièrement financé par la Fédération de pêche, devrait voir le jour dès le mois de mars, avec la création d'une voie empierrée sur 3 km avec des zones partagées et sécurisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'idée étant de proposer des solutions pour supprimer les difficultés d'accès au canal et à l'Aron et ainsi valoriser la rivière de l'Aron qui est actuellement peu accessible. Notre zone artisanale et économique est en cours de démarrage car il a fallu organiser des fouilles archéologiques qui devraient être terminées en juin. Nous devrions, en cette fin d'année, voir les premières entreprises s'installer. Ces quelques minutes ne résument pas toute l'année 2020. J'ai souhaité aller à l'essentiel. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux ainsi qu'en lisant notre Cercicois. En parallèle et en vidéo, vous avez pu voir les travaux et actions réalisées en 2020. Mais je ne doute pas que vous en aviez déjà connaissance. Sur ces dernières lignes, je souhaite vous remercier pour la confiance que vous m'avez renouvelée et vous souhaite une très belle année 2021. Bonne et heureuse année. Il y a bien sûr de l'eau. À mon école. C'est un bassin d'emploi dynamique. Je peux y pratiquer mes sports favoris. J'ai tous les services à proximité. La communale, c'est tout ça à la fois.